Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. C'est parti. Non, le pommeau, c'est pas un pack de précommande, oui. Je l'ai chopé. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. D'accord. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver, méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Oh, la pauvre, une non. Vision du Ragnarok. Merde. La vision de Groa est parvenue à Oda. Il l'a fait guérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Ah bah putain, mais Odin, c'est un enculé. On en peut plus d'Odin. Ah, bois de fer. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curieux. Il est à Jotunheim ? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Oda respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi voilà. Cacher cela, sinon? Regarde, tire. Voilà ce qu'on a vu. C'est toi. Combattant au Ragnarok. Non. Je ne veux pas. C'est quoi ça? C'est nouveau? Asgard est détruit? Qui a détruit Asgard? Les autres royaumes. Et Odin meurt. Elle a menti. Groa a menti? Évidemment. Odin se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Odin! Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner! Tyr? Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. Mais... on vient de non, te voir. Atreus. Tu te trompes. Viens. Nous avons à parler. J'avoue, laisse-le faire ce qu'il veut s'il veut plus se battre. Peut-être qu'il veut être tranquille. On n'empêchera pas le Ragnarok, mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Bah ouais. Il doit y avoir un autre moyen. Parce que là, c'est Fimbulvetter là de tous les côtés. C'est bien beau tout ça. Peut-être ah bah, voilà. Devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. Oh, c'était une bombe. Ah oui, d'accord. À ta gauche.
cher encore. J'ai pris la patate. Ok, là, ça m'a mis tout en émoi, mesdames et messieurs, toute cette histoire. J'ai envie d'en savoir plus. Ah, merde. J'ai loupé. Oh, excuse-moi. Je pensais pas te patater autant. Comment ça? Frère, je suis en plein combo et d'un coup tu décides on a... Ah non, 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 bah non, bah non. Bah je dis non, je dis non, j'estime qu'il y a un moment... Non. Bien sûr que non. Où sommes-nous là? Je suis en train de te casser la gueule et d'un coup tu décides que bon, non, ça en a marre. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. Ah, pour qui lui? Attends. D'accord. Frère, est-ce qu'on peut laisser faire l'animation au moins quand on veut jouer? Boudu. Tiens, sale con. Voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, on va aller faire ceux d'en bas. Et on va leur montrer qui est le Patrons. Non, par contre. Quand ils me touchent comme ça de manière random. Hein? Bah, c'est pas rouge. Là, il m'a mis une dingue. Le bleu, ça passe à travers la garde, du coup. Regarde, à droite. Regarde à leur bombe lumineuse. Regarde, il a stressé de fou. Tiens, prends des flèches. C'est bien ce que je disais, faut repartir par là. Enfin, je suis visionnaire. Visionnaire. Est-ce qu'il y a du monde au balcon? Il y a de la créature. Oh non, pas eux. C'est bon. Péter la gueule un peu là. On va fermer maintenant. Sale con. Ok. Alors on y est. Non, on a rien à faire. On doit redescendre. Merde. Tu vas les tuer. Attends, t'es en train de manger tranquillement. Un peu de respect s'il vous plaît. Il reste ça, mon garçon. C'est pas par là. C'est par en bas. C'est par ici.
Arrêtez-vous avant que d'autres n'arrivent. Ouais, je fais que ça, man. Je me dépêche, hein. Je veux la suite de l'histoire, hein. Et j'aimerais savoir quelle est la créature qui grogne depuis le début. Ce petit salopio va exploser. Ce petit salopio. Voilà, ça dégage. Nous devons avancer. Bah, deux secondes. Vraiment nerveux. Tu penses qu'il va bien ? Concentre-toi. Par contre, ces scènes-là sont juste d'un... J'aime trop. Tokyo contextuel en permanence. QTE, à droite à gauche. Le jeu est dingue. Ouais, bon, on s'en va. Hein. On a pas le temps. Hein. Je vous emmerde. Assez. Appuyez deux fois. Tiens. Pardon. Ok. Oh oui, bien sûr. On va utiliser maintenant. Je suis Kratos. Je ne sais pas qui tu es avec ton masque de mort, mais voilà, je te nique ta mère. Ah, on va renvoyer ça, je pense. J'ai envie de tester un peu ta puissance. Très bien. Ah, ça passe à travers. Donne-lui un coup de pied. Oh, bien sûr que non. Parce que j'étais à 20 km, donc on va faire comme si j'avais rien pris. Non, j'ai voulu prendre la vie alors que j'avais juste à contrer. J'ai pas été bon les gars, je pensais qu'on allait le first try. Non j'ai pas été bon, vous pouvez me chier dessus, voilà, je vous le dis, j'ai pas été bon. Ah non, j'ai pas été bon. Ça va, tiens. Ah. Loin, je suis très loin. Hein. Ah, j'aimerais vraiment comprendre des fois qu'on me touche le même. Là, je suis très loin. Mais mec, je suis super loin. J'ai vraiment envie de mourir pour. Vas-y, tue-moi. Est-ce que ça, par contre, je pense que je peux l'esquiver un. Je sais pas si je peux l'esquiver quand il le fait. Si je fais une roulade, est-ce que je passe à travers? Quand il me touche là, bon, c'est insupportable. Go!
Yoshida. Frérot. Ah mais je prends quand même les dégâts. Oh, c'est bizarre. Je sais pas si je peux vraiment l'esquiver du coup. Oh non. Bon. Suffit des conneries, je prends des dégâts qui sortent de l'univers là. J'ai contré le truc. J'ai contré. Ouais, bon. Allez. On va faire comme si de rien n'était. On l'a quand même. On l'a contre-parfait. Bah, il y a des fois où les contre-parfaits ils ne servent à rien, j'ai l'impression. Si tu veux enchaîner derrière. Ça sort tellement vite ça. Tiens fort! Bah tu vois là, frère. Merci. Utilise ton bouclier. Mais ça me prend quand même des dégâts, je comprends pas. Le bleu, on peut l'esquiver ou pas? Moi, c'est l'esquive que je parle. Ça, j'avoue, peut-être que je trouve un bon timing. Parce que sinon, c'est très chiant. Bon, faut que je trouve un moment, vas-y, on va peut-être crever encore une fois, mais faut que je casse comment. D'accord. Là par contre c'est bizarre parce que là j'ai le counter et je peux pas retaper derrière. Je dois cancel avec double L1. Ah mais là je peux pas. Si je suis trop loin je peux pas le cancel avec double L1. Donc y a pas une plage le... D'accord, faut que je le fasse plus vite quoi je pense. Ça sort du ça c'est un peu con parce que du coup je cancel et ça marche pas quoi. Tu vois là on va lui péter sa gueule là. Il me fait chier. Ça passe à travers comme ça, c'est insupportable. Bon, on va récupérer un peu de vie. Je pense que le droit pour aller plus. Bon, il est pas si dur, c'est juste que des fois je ne comprends pas, faut juste que je pas que je tente.
Ça touche pas, c'est n'importe quoi. Ça, si je le frappe pas, je meurs. En fait, il faut double L1 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que j'ai le réflexe. Ok, on se fait plus toucher. J'annonce qu'on se fait plus toucher. Mais ce qui mérite. Elle se soigne grâce à la lumière. Tu as chié. Évidemment, allez hop, ça dégage. Voilà, on n'en parle plus. Je crois qu'elle m'a touché une ou deux fois. Et parce que je l'ai bien voulu, effectivement, on le rappelle. Massacre ! En expédition accessoire de bouclier, c'est un nouveau rond de bouclier du coup. À voir s'il est mieux surendementé. Oh, les flammes de glace, on va pouvoir améliorer la flamme. Les Leviathan. Tu as découpé le bras. Ah non, mais je lui ai cassé la gueule, hein. Vraiment. Elle m'a juste touché quand elle a fait le truc bleu, mais qu'elle était trop loin, je pouvais pas la cancel. En fait, vu que ça prend tout le terrain, bah t'es obligé de te faire toucher, ou alors faut la coller, quoi. First try, my gars. En fait, du moment où je suis sympa, vous n'avez plus voir. Hein. C'est loin d'être terminé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, tiens? Je... Tout se passera bien. En même temps, oui, tiens, super sympa, quoi. Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre, et me voilà traînant une innocente et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Votre voix n'est que peine et souffrance. On l'a délivré, il va se plaindre en plus. Putain, je sens le coup de la Freya là qui va se retourner contre nous. Salaud là. Non. Atreus, allez. Wow, wow, il va vite, Kratos. Yeah.
cru que Tyr, il allait nous faire un sale coup. Pourquoi t'es allé sur l'elfe, gars? C'était un elfe de mort. Déjà, je comprenais pas pourquoi il le traînait, l'elfe. Laisse le canner, hein. Tu es blessé. Non, père. En tout cas, belle session de nage, hein, pour Kratos. Tyr. Merci. Et désolé pour tout à l'heure. Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Tyr le Pacifique. Il le traînait car c'est un elfe et qu'il peut créer les ponts juste en allant dessus. Ah, j'avais pas capté ce truc-là. Ok, bah merci pour l'explication. Elle est rapide, je me suis dit, pourquoi il traîne l'elfe? Laisse-le, il est cané, quoi. Écoute, l'elfe qui... simplement de faire ce encouragement sur lui, c'est que découpe sa propre jambe. La prophétie, ne parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Atreus. Seulement la mort. Alors que sommes-nous censés faire? Se coucher? Et attendre? Assez. Eh oui. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. Un assaut d'elfes noirs. Quel heureux hasard. Allez. En plus, ceux sont chiants, c'est ceux qui volent. Des elfes. Je peux pas me laisser tranquille. Mais ouais, clairement. Ils sont dégueulasses, les elfes noirs. Ça me termine quand les mobs ils sont au sol et qui roulent telles des petites crottes. Ok, je vais vous faire sortir d'ici, mais avant toute chose, je reviens s'il n'y a pas des petits carrés qui traînent. Oula! Putain, Tyr, par contre, il a une sacrée patate encore. Oh là là. Ah, c'est la guerre entre les. Ouais, on s'en va du coup, on fait quoi? On prend part au combat? Apparemment, on prend part au combat alors. J'aime trop les combos qu'on peut faire en enchaînant les deux armes maintenant. Du coup on commence à avoir pas mal de techniques. Ça se voit bien sur les gars. Ah mais c'est la guerre là-bas, d'accord, je me disais, on peut encore fighter, il y a encore du monde de ce côté-là, mais non. Allez, qui se foutent sur la gueule des deux côtés. Attention à droite.
soir. Ah oui, c'est vrai qu'ils aveuglent. Ah, y'a ma aveuglette. Ouais, ça suffit. On a bien rigolé. Non. Je sors pas assez rapidement. Voilà, bouffon. Super, par ici. Encore ? Est-ce qu'il y a un gigaboss ou pas à la fin alors? Ou pas? À part la reine mère là qu'on a fumé. La créature de tous les diables. S'en aller. Par ici. Wow, bro. Voilà, doucement. Alors attends. Ah. Non mais... Can I réfléchir? Je vais buter au blanc, vous m'énervez vous! Là, on a un péplou, Je suis mort. Derrière toi! Yo, je suis mort! Joueur français. Ah, je... Bon, j'ai plus de vie hein, par contre. J'arrive. Eux ils sont chiants. Pour moi c'est les ennemis de la zone les plus pénibles, c'est eux là. Avec leur giga katana. Parce qu'ils ont une portée de fou, ils tapent fort, ils ont des coups imbloquables. Bref. Les relous. Ok. Oh Kratos. Continuez à avancer. Ah, c'est la guerre hein. Arrête pas de se casser la gueule. Ah, les trucs bleus, c'est vraiment imbloquable de A à Z, quoi. Attends. Non. Un peu ou la musique qui m'oppresse en plus. C'est fini la guerre entre les elfes, ça y est. Je crois qu'on a le droit au bonheur, un peu de répit. Non, toujours un peu la bagarre mais plus de musique.
Peut-on partir à présent? On y est presque. Par ici. Ok, tire. C'est bien de là où on vient. Ouvre l'accès, je te prie. On rentre, tire, ne t'en fais pas. Pas plus envie d'être ici, là. Tu veux la guerre, Atreus? Vois par toi-même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. Ah d'accord. Donc lui, il s'en va et nous, on reste là. Nous devrions explorer ce désert. Ok. Écoute, je sais qu'on ne peut pas se fier à la prophétie, mais nous ne devons pas ignorer ce qu'on a vu pour autant. Alors c'est la méga guerre, on aurait pu se barrer et on reste ici. Nous en parlerons lorsque nous serons chez nous. Pour l'instant, j'aimerais chercher cet animal blessé que tu as entendu. Tu... Vraiment ? Oui. Bien. D'accord. Très bien. Oui, je te suis. Terre brûlée. Non, pas sûr que ça a inspiré Sardou. Du coup, je crois que c'est une quête secondaire, mais on va quand même y aller. Ça a l'air sympa. On peut explorer. On a de la créature, on a de la bonne bestiole. Puis ça peut donner peut-être un combat de zinzin. De tuer une créature qui cherche à te tuer. Oui. Et bien voilà. Comme ça, ça a le mérite d'être clair. Tuer ou être tué. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Que sont ces animaux ? Des gulons, originaires de Vanaheim. Je ne saurais pas te dire ce qu'ils font ici. Ils vont nous amener ? Oh, les petits bébous ! Oh, les bébous ! Quelqu'un les a entraînés à tirer un traîneau. Ça nous sera utile. Pourquoi ils nous traînent d'un coup ? Les gulons apprivoisés. Ouais. Ah, vas-y, hein. J'aime bien ces petites phases comme au tout début du jeu. Ah, on peut descendre à tout moment. D'accord, bon, c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment de gagner du temps. Sardou était plus Xbox, je crois. Non, je suis pas sûr, hein. Je crois que vraiment il est très très Sony. Sardou. Il est très. Confond peut-être avec Koba la D. T'es fou, frère. Si on se trouve ton animal blessé, Xbox. À moins que nous ne soyons ici pour profiter du beau temps. Je n'entends rien du tout. Commençons par trouver une grotte pour prendre nos repères. Ok, bon. Avec tout ce sable. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire du coup? Est-ce que c'est ici qu'on va débloquer le nouveau truc contre le sable? Non, je pense pas. C'est vrai qu'on profite du beau temps là, il fait beau. Hein. Rien à dire. Hein. Alors, vraiment le lieu idéal pour vos vacances. Qu'est-ce que c'est? Avec tout ce sable, on ne pourra pas passer par cette porte en pleine tempête. C'est quoi ça? Ah, ça fait partie des trucs qu'on n'a pas débloqué encore, je crois. Ouais. Je laisse tomber contre une grotte. Ah, bonsoir. Oui, bien sûr. Bah, faisons comme ça, hein. Oui, bah oui. La machine. Ah oui, d'accord. Bah, bien sûr. Bah, faisons comme ça, alors. J'ai pris des trucs invisibles. Sorti du cul d'une poule. Oui.
Tu vas te coucher? Cache-toi, cache-toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, je pense que tu la trouveras jamais. Hein. Elle est vraiment bien cachée. T'as mangé? Elle a mangé? C'est la manger. Oh là 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 là, t'as fait une omelette toi. Fromage. Lève-toi de partir ma puce, c'est ça. Fromage au maïs. Oh, fromage et au maïs. Ouais. Mais elle aime pas le, elle aime pas le fromage Anna pourtant. Mmh. T'aimes pas le fromage toi Anna. Mmh. Bon allez viens faire un bisou là. Laisse pas partir ma puce. Elle a mangé du kiri, une compote. Ouais. Ah oh, bah tu vois il est sale. Voilà. Voilà voilà. Allez lève-toi mon cœur. Elle est en train de jouer en haut, je me suis endormie sur le canapé. Ah bah bravo. Tu l'as réveillée? T'as réveillé maman? Anna, t'as failli me faire tomber. Tu veux me faire tomber? Non. Bon, alors. On va faire un bisou, papa. Papa. Oui. C'est quoi ça? Non. C'est un clavier. C'est quoi un clavier? Bah regarde, qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce que tu reconnais sur le clavier? Ben voilà. Avec des chiffres. Voilà. Ben ça sert à taper et ça écrit des mots. C'est comme ton clavier à toi sur ton petit ordinateur pour enfants. Oui, le truc que t'as là chez mamie. Chez mamie. Acheté là pour les animaux et les lettres et tout ça. Ben c'est pareil. Les lignes, c'est... cette ligne, c'est pour faire quoi? Cette ligne, c'est pour faire un espace. Quand t'écris un mot, t'écris pas tout attaché. Donc t'écris ton mot, après tu fais un espace. Comme quand t'écris toi à la main. Comme ça, as. T'as vrai, t'écris Anna, espace. Plus loin, A, plus loin. Mais regardez. 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Si j'ai fait A, c'est A collé. Ouais, et après tu fais un espace si tu veux. Non. C'est pas mal, hein. Allez, fais un bisou. Bonne nuit, mon cœur. Je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu vas te coucher aussi? Allez, moi je vais venir manger dans quelques instants. De toute façon, il n'y a rien. Et c'est quoi, je vais me commander un truc. Mais non. Allez, hop. Arrête de faire l'ardon, là. Eh, ouais. Je vais commander. Tu peux te faire à manger, hein. Bah non, je veux pas t'embêter. M'embêter. Oh là là. Moi, la femme à la cuisine, hein, ça me dérange pas. Hein. Ah, allez. Bah, va cuisiner, alors. Par pitié. Merci. Allez. T'as vu comme tu fais? Ah, j'ai pas envie de te déranger. Ah technique, un joli bass. Oh, what the fuck, bro? Ah j'ai pas envie de te déranger. Tiens, ça le fait. Non, pas ça. On voit rien, on est aveugle. Bonsoir. Hein? Le dérangé Ward qui change tout. Attention à l'interprétation de la phrase. Non, mais non, en fait, ma femme à chaque fois elle me dit bah je peux te faire à manger, mais vraiment, premier degré, je suis en mode bah non, c'est bon, je peux me faire un truc vite fait et tout, j'ai pas envie de te déranger si tu préfères lire ou je sais pas, tu vois. Et du coup, elle, à chaque fois, elle est en mode non, mais non, j'aime trop faire la cuisine. Ma vie est une cuisine. Ouais. À partir de là, effectivement. Pour ta droite. Oh, il y a un petit truc, on peut pas le ramasser, j'imagine, parce qu'on est en plein combat, évidemment. Quoi, il me touche? Mais comment tu me touches? Putain, j'en peux plus. Oh les mecs à distance quoi, tiens, je jette tout alors. Non mais gros. J'ai oublié de faire mon. J'ai oublié de faire mon. Get
Ah, où tu passes à travers, ok, bro. Sorry, bro. Hein? Derrière toi, merde! Lui, il est tanky. Hein. Pourquoi il demande le Jumanji, mais. Mais j'ai déjà lu. Bon, on va le fumer là, ça suffit. Qu'est-ce que ça m'insupporte le gameplay salope là où il s'enfuit. Bats-toi! Tiens. C'est insupportable. Hein. Non, regardez-le. Bats-toi! Sois un homme! T'es où? T'es où l'homme? Regardez-moi ça. C'est que ça? Tu es ridicule. Personne ne t'aime. Ta mère t'a abandonné. Oui. Prends pas les dégâts. Mais c'est quoi ce bordel? Reviens! Eux ils sont chiants, hein. Oh la vache! Boss! Elle me donne des trucs au moins. Ouais, c'était le chef des. Du cuir noué. Merde, j'aurais pu terminer la rage. J'étais encore en rage. Sous le VED. Ah non, en vrai, il était chiant. Il était chiant, il était très très tanky, il tapait fort, il t'aveugle, enfin il met la totale. Ah, bordel. Ah, on va chercher du coffre. Ouais, ça protégeait ce coffre-là surtout qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas. Un schéma pour une poignée d'épée. Oh, pas mal. Nous devrions le montrer à l'un des nains. Ils seront au courant. Vous avez fait tomber encore le World Boss? Oh là là, les gars, c'est incroyable. Est-ce qu'il m'a donné des trucs, le World Boss? Je regarde en même temps, hein, parce que je vous vois faire tomber le World Boss. Ah, pas d'armes, hein, de mon côté, malheureusement. On va aller taper encore ce petit World Boss, on sait jamais. Putain, vous êtes rapide. Bon, on va leur prendre ça. Est-ce que ce serait pas une grotte qui a été illuminée là-bas? Je sais pas si on aura le temps de beaucoup avancer puisqu'il est 20h13 et je vais aller manger juste avant le FC Simi, puisque je rappelle évidemment qu'il y a le FC Simi juste après. In the joie and the bonne humeur. Ouh, c'est peut-être ça. Je sais pas ce que c'est, mais je crois que l'animal est dedans. Quelle que soit cette créature, elle provoque de sacrées bourrasques. Comment peut-on l'atteindre? Le désert regorge de grottes et de tunnels. Trouvons-en un et voyons où il mène. Ok, bon. Voilà, voilà. Rapide mais à sec en énergie. Bah ça coûte pas d'énergie le World Boss, donc tu peux pas. Ça peut pas être le World Boss qui enlève ton énergie, man. Ok. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Rune brisée. Hors du vautour, carte au trésor, bois de pierre. Ah, on a eu du bois de pierre. Acier nain. Voilà, c'est ça qui nous fait la méta de travailler. Donc c'est ici qu'on va récupérer pas mal de petites choses intéressantes. Détonation fatale, une gemme instable à vide de mort et de destruction. C'est quoi ce bordel? Alors qu'est-ce qu'on a? Protection des avant-bras. Je sais pas pourquoi ça nous a dit qu'on avait récupéré quelque chose pour la protection des avant-bras alors qu'on n'a rien récupéré du tout. Et la détonation à les ennemis tués d'une flèche runique explose, infligeant des dégâts modérés autour d'eux. Bon, c'est très bien, on va le mettre là. Donc là, on aura des accessoires. Par contre, en termes d'armes, bouclier. Ronde volonté. Et non, attends, on va juste équiper ça, on va pas faire ça du tout. On verra s'il est mieux à équiper. À la rage, on s'en branle. Relique. Talisman de vigueur, c'était quoi ça? Déjà qu'on fait un bonus de dégâts au corps à corps pendant une courte durée. Oui, c'est ce qu'on a sur le Teco. Est-ce que ça vaut le coup de l'améliorer? On a beaucoup d'XP avec Kratos là, je suis en train de capter les gars. On a 10 000, parce que c'est, on rigole, mais
Avec la hache, on a tout. Ce serait peut-être temps de mettre des trucs sur les lames. Là, ça faisait quoi lors d'un sprint? Ouais, bah ça, faut qu'on prenne. On n'avait pas pris les trucs de base. Je vais tout prendre. Lors d'une esquive, maintenant. Ok, je vais prendre la totale. C'est quoi les attaques au corps à corps, les armes? Ok. Voilà. Enchaîne rapidement, plusieurs attaques au corps à corps sont super de dégâts pour renforcer les lames du chaos. Surtout qu'on n'avait rien monté. Il nous en reste un là. Donc ça, c'est en restant appuyé, je crois. Maintenez R1 avec les lames. Alors que ça, on l'a pas avec la hache. C'est pas du tout un maintenez R1 pour. Ça, c'est au sol. Chuit. Ouais, exactement. On est pas mal. Atreus, il a ses propres points d'XP. Il a combien? Oh la vache, 1830. C'est pareil, il en a masse. Et on vient de débloquer ça? Non, on l'a déjà débloqué. Ça, ça. Bah, en fait, autant tout utiliser aussi, peut-être. Atreus se précipite dans l'ennemi et effectue une attaque sautée pour le perturber. Ouais, vas-y, prends. On va lui mettre la totale, gars. Coup de bouclier, je sais pas si c'est important. Il peut effectuer une vaste attaque puissante, infligeant des dégâts d'état correspondant à la flèche runique. On va lui mettre la max. Let's go! On a tout. Donc, vu qu'on a tout. Merde. Vu qu'on a tout. Est-ce que ça vaut le coup, justement, de monter la relique? C'est 2500. Là, niveau actuel, c'est ça. Qu'est-ce qui va changer, en fait? En fait, je sais pas ce qui change, il y a rien qui change. Confère un bonus de dégâts au corps à corps pendant une courte durée. Ok, mais ça me met pas. Est-ce que ça augmente les dégâts? Est-ce que ça le renouvellement de le cooldown il est pas baissé? Il y a très peu d'intérêt à ce que je monte ça en vrai. Enfin, je vois pas d'intérêt en tout cas moi personnellement. Sur l'XP, j'ai plus de sur les attaques runiques à la limite. Là, on a toujours rien. Et ça, à la limite, avec l'XP, on pourrait partir monter ce truc là. On aura beaucoup plus de givre. Ça a l'air de pousser. C'est 64 secondes en plus. Hein. Coup de glace autour de la lame foncée sur une cible pour lui asséner un coup formidable. Ça a l'air pas mal, hein, mais il y a du l'étourdissement en plus. C'est juste ça fait moins de dégâts, quoi. Si on le prend et qu'on le monte, ça ferait juste plus de dégâts, plus de givre. Alors que là, non, tu sais quoi, on va monter ça. J'aime bien ce tourbilol. Le tourbilol, ça a souvent été. En plus, on a baissé le cooldown. Non, on n'a pas baissé le cooldown, on est toujours à 86. On n'aura pas assez. 8000 Ça, on va le monter. Parce qu'on en a qu'un. Donc, autant mettre un peu d'XP. Ok, on est pas mal. C'est qui? Oh non, c'est les créatures du diable. Ah ouais, c'est les créatures du diable, mais genre en mode givré. Non, oh, je suis mort comme une merde, vraiment à chier. C'était terrible là, ce que je viens de faire. Oh, je suis mort dans le l'ignorance la plus totale et dans le vomi. Oh, on dirait qu'il va dégueuler dessus. Hein. Oh, des fois, on meurt sur des trucs nuls. C'est cata. Il y a de la bestiole là. Quoi? Je sais pas qui veut m'attaquer. Ah ouais, mais... Ok, on est plein de vomi encore une fois. Oh là là. Oh les mecs à distance, mon horreur, mon horreur.
Laisse-moi respirer, je t'en supplie. Je peux pas mourir comme ça. Je pense que les lames font plus de dégâts. Là, j'ai voulu tester pour voir. Je pense que les lames font plus de dégâts vu que c'est du fire. Que là, bon, tout le monde est gelé, quoi. Mais ah, c'est terrible. Pardon. Oh là 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 là. En vrai, on va rester appuyé sur les lames. Ouais. Ouais, exactement, c'est vrai que c'est fort. Je vois pas pourquoi j'essaie de changer de stratégie. On va juste foutre un coup de bouclier au maire. En fait, il faut juste que je tue les mecs qui... eux là. C'est eux qui me font chier. Les autres, on s'en fout. Voilà, ça dégage. Ah, c'est une bonne news, ils sont où les autres? Derrière toi, attention! Est-ce que j'ai droit au bonheur? S'il s'accroche au mur, on doit le faire tomber! Il est encore là, il y en a combien des mecs? Putain, mais j'en peux plus! Bah, tu es mort, hein? Ah, bah, je suis mort. Ah ouais, je peux pas me protéger pendant que je te fais cette putain d'animation. En fait, c'est trop chiant. Il y a 10 000 mecs qui crachent de la merde. Oh, j'en peux plus, mais vraiment, j'en peux plus. La séquence, elle est pas difficile. Juste, les mecs qui sont en haut te trichotent avec de la... leur bave, là, de merde. Oh là là, putain, c'est même pas une mission. C'est juste un vieux truc de merde. Derrière toi, attention!
trucs, comme ça tape pas les trucs. Hein. Il est où l'autre con là? Attention à gauche! Encore un? Il est là-bas. Ah, ils sont mis. Frère, ils sortent d'où? Ils sont combien? Il y a trop de mobs d'un coup. On va y arriver, J'ai envie d'y croire. Putain, c'est 20h27. En plus, faut que je me bouge le cul là pour aller manger. Non, je pars pas sur ça. J'ai pas de rage en plus, donc ça me met un peu dans le mal. Regarde d'où il tire, hein, le chien. La vie pour le max. Oh, quand je shield et que ça shield, oh, putain, ça me gonfle. Quoi? Par contre, c'est aléatoire le fait qu'il soit violé, les ennemis. J'ai pris une dingue de la créature, je sais pas ce qu'elle m'a mis. Shot, hein. Je me suis pas fait toucher, la game m'ont touché deux fois. Mort. Ouh, j'abandonne pas. Je m'avoue pas vaincu. On était bien parti. Allez. On peut le faire. C'est clairement pas le mode histoire, hein. Le plus dur à chaque fois, c'est vraiment les trucs annexes de merde comme ça qui sont dramatiques. S'il s'accroche au mur, on doit le faire tomber. Derrière toi. Dis Alpha.
Là-haut, là-haut. Tue-le là-haut. Oh putain! J'en peux plus! J'en peux plus! Voilà. Il est où le mec qui fait du poison? Il est là où? Il est ce chien là. Derrière toi, attention! Non, j'ai utilisé le shield. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. En fait, je peux pas shield les petites merdes là. Putain. Ah, je peux pas shield les petites bestioles. En fait, quand elles viennent et qu'elles explosent, tu peux pas shield. Putain, ça va être long. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu dur. J'arrive à m'organiser. Mais eux ils s'explosent là, ça c'est trop chiant. Eux il faut que je les one shot de suite. En fait, pendant une animation, je prends les dégâts, je prends pas le knockback et je ne peux pas utiliser de shield ou quoi. Je sais pas si la hache en vrai c'est peut-être un peu mieux. Ah, je sais pas. Cercle rouge, tu peux pas shield là. Oui, je sais. Mais... Ah, tu parlais pour les créatures. Ah, c'est cercle rouge. Okay. Tu parlais pour les trucs de mort. Putain, eux ils sont chiants. En fait, tout est chiant. De toute façon, tout ce qui est petite créature, c'est relou. Non, on a plus trop de dégâts, on peut pas win. Peut-être que j'y aille avec ça. En me disant let's go. Mais je pense que je ferai pas assez de. Je ferai pas assez de dégâts. Pour prendre de la rage. Moi j'ai pas assez de rage. J'essaye d'aller au point mais. Ça c'est chiant aussi qu'elle s'explose. Non, je faisais pas ça. Ouais, j'ai pas le bon timing. J'avais récupéré de la vie à droite. Je crois qu'il y a de la vie à droite dès le début ou pas. Putain, ce passage il est vraiment dur hein. On va essayer aux lames. Non, donc c'était bien. Ah, quoi que, attends. On va essayer.
Non! Faut vous montrer que ça va être complicado. C'était du hit and run. Oh là là là, c'était dur. Hein. Eh ben, on a réussi. Let's go! Putain, je pensais pas qu'on allait trouver autant de difficultés sur un truc aussi basique, entre guillemets. Ça a été un peu chiant, mais on l'a fait. On l'a fait! Je vous avais dit que j'allais partir manger en ayant terminé, effectivement, cet endroit. Oh la vache, j'ai pas été très bon. Si lui, il y avait tellement de créatures et tellement de dingues. Et tu te fais tout shot, là, les petites bêtes et tout. Oh, un peu relou. On va prendre ce coffre et on va sauvegarder devant ce coffre parce que moi je vais aller graille avant le FC Silmi, mesdames et messieurs. Encore une fois, c'était un grand moment avec notre ami Kratos dans ce God of War. On a récupéré ceinture radieuse niveau 4. Je sais pas ce que ça dit. On a. C'est que de la def. Que de la def pour avoir unique vitalité. Ouais, je sais pas. Niveau 3 ici, 25. Non, en vrai, c'est mieux. Bah, Val Noir, encore une fois, reste top tier, on l'a dit. Val Noir, c'est vraiment l'assurance d'une vie plus belle, j'ai envie de dire. On va sauvegarder de ce côté-là magnifiquement. Et on va se terminer ici. Hop, je vous change de scène. Merci, les amis, d'avoir suivi ce petit let's play, cette continuité. Oups, là, ça grince toujours. Du let's play God of War Ragnarok. On est à 9 heures de jeu, là, à peu près, tranquillement, sur le jeu. On prend notre temps, on s'amuse, on prend du plaisir. Évidemment, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Voilà, je vais aller manger tout de suite et on se retrouve juste après dans 20 minutes pour le FC Simi. Donc je vais manger très très rapidement. Bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Je vous laisse avec des petits plans. Et évidemment, vous avez l'habitude de pour que vous puissiez continuer de farmer la calve. Je vous laisse avec les petits best-of qui tournent derrière. Vous le savez. Et je vous dis à tout de suite. Bien évidemment. Et en plus, j'ai le cœur sur la main. Vous savez quoi? Allez, j'ai bien vu que vous faisiez la gueule. Je vous donne 20 d'énergie à tous. Ouais, 20 d'énergie, c'est distribution en 20 d'énergie pour tout le monde, pour que vous puissiez attendre tout simplement dans la joie et la bonne humeur. À tout de suite, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé et on se retrouve dans quelques instants pour le FC Silmi. Moi c'est les chouchous. Allez chouchous. Allez, chouchous. Allez, chouchous. Allez, oh là là. Cacahuètes.